Hop. Donc la team, bienvenue, salut à tous, bienvenue Alex, salut Carole, bienvenue à tous. Donc, on démarre sur l'échauffement, je vous ai dit 30 minutes de séance ensemble, ZR Strong, essentiellement aujourd'hui bas du corps et les abdos. Donc voilà, 6 minutes d'échauffement pour attaquer sur une bonne séance intense après sur le bas du corps. Allez, attention, je démarre le timer. Donc la team, on se prépare. Hop, fait un peu froid dans la salle, on va se réchauffer. Allez la team, motivé, on va commencer par les jumping jacks. Donc les jumping jacks, on démarre en pied ici. Et c'est parti, grand mouvement, amplitude. Donc au-dessus de la tête, amplitude sur les jambes, option facile. D'accord? Si on a mal aux genoux ou mal aux chevilles, on peut prendre cette alternative. Voilà. Ok, maintenant on va passer sur du squat très lent. Ici, la pointe des pieds ouverte. On va descendre lentement, remonter lentement. On pousse les hanches à l'arrière, le buste bien droit, les genoux sur l'extérieur. Voilà, lentement. Boum, boum, boum. 1, 2, 3. Ok. On se redresse, fente alternée avant. Devant. Voilà, à chaque fois on change de jambe. Ici on descend bien avec la jambe arrière à chaque fois. Le buste bien droit. Prenez votre temps, c'est un échauffement. D'accord? Le genou ici ne dépassera pas la pointe des pieds de devant. Ok, on passe en gainage au sol. Les coudes sous les épaules. On allonge la nuque. Voilà, super la team. Option facile sur les genoux si vous êtes débutant. Sinon, jambes tendues. Ok, hop, on se relève. Premier tour de l'échauffement terminé. Il nous en reste encore 3. J'enlève juste les commentaires, comme ça vous allez voir intégralement. Allez, attention, on va partir sur les jumping jacks, la team. Go! Allez, amplitude. Voilà. Chaque exercice sur cet échauffement a 20 secondes d'effort pour passer rapidement. Voilà, amplitude. Après, on va enchaîner sur des squats très lents. Ok. Squat, on descend en 3 temps. 1, 2, 3. Pareil. 1, 2, 3 pour remonter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, on contrôle les genoux. 3, 1, voilà, ok, fente alternée avant, boum, le buste droit, adoptez une position dynamique, voilà, on descend bien avec cette jambe arrière à chaque fois, hein. Le genou proche du sol, on descend tranquille, on contrôle, on contracte bien les fessiers et gainage au sol. Les coudes sous les épaules, on serre très très fort la ceinture abdominale. Les fesses pas trop ni trop bas. Au niveau des épaules. Allez, la team. Il nous reste 2 tours après ça. Ok, on se relève. On trottine sur place. On trottine léger. Léger sur la pointe des pieds. Et on va reprendre sur des jumping jacks dans 3 secondes. Ok, go! Allez, amplitude la team! Yes! On va faire monter la température du corps au fur et à mesure pour bien l'échauffer et préparer notre corps à ce qui va suivre après sur les circuits. Ok, squat très lent en 3 secondes. 1, 2, 3, même chose. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3. Yes. On garde le buste bien droit. Voilà, on respire. Tranquille. Fente avant alternée. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Voilà. On va souffler pour pousser la jambe pour nous relever. Inspire en bas. Souffle en haut. Inspire. Souffle. Yes. Gainage au sol.
Gardez bien les coudes sous les épaules pour ne pas traumatiser l'articulation de l'épaule. On serre très très fort les abdos. On allonge la nuque. On regarde le sol. Allez, Atim. On tient le choc. Yes. On se relève. Et on trottine. Allez, motivez la team. Dernier tour. Dernier tour sur l'échauffement. Avant de passer au concret, jumping jack. Allez. Yes. On va chercher au-dessus de la tête avec les mains. Voilà. Amplitude sur les jambes. Ok, squat très lent en 3 temps. 1, 2, 3, remonte. 1, 2, 3, yes. 1, 2, 3. Voilà, prends le temps. C'est pas une course. 1, 2, 3, yes. 1, 2, 3. On poussera bien les hanches à l'arrière. Hein. Ok, fente alternée avant. Boum. Voilà. On prend le temps. Impeccable, on contracte les fessiers également, les abdos, on respire. Ok, gainage au sol. Voilà, et serrez très fort vos abdos. Allongez la nuque. Allez, la team, 5 dernières secondes. Ok, on pose, l'échauffement est terminé, hydratez-vous et on va passer à la suite dans quelques secondes. Voilà, super. Allez, attention, hydratez-vous, respirez, récupérez. Donc 45 secondes d'effort sur ce circuit, 15 secondes de repos entre chaque exercice. Donc, vous allez voir, ça va passer vite. Ça va être intense. On va effectuer 3 tours de ce circuit avant de passer au circuit prochain. Donc là, essentiellement les jambes. Allez, attention à la team, on démarre. On va commencer ici par 2 squats classiques suivis de 2 jump squats. Donc ça fera 1, 2, et après 1, 2. Option facile, on n'enchaînera que des squats. Go, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. On poussera bien les hanches à l'arrière et axé avec les genoux sur la pointe des pieds. 1, 2, 1, 2, ok. Allez, 20 secondes à team. Voilà. Encore. Yes. Allez, on respire. On gagne les abdos. Allez, encore. Ok, on relâche. Ici, on va enchaîner maintenant sur le prochain exercice. Que la jambe droite. Une fente avant. Et ici, une fente arrière. Que sur la jambe droite à chaque fois. Attention, go. Droite. Arrière, droite. Voilà. Prenez le temps. C'est mieux de bien faire votre exercice et de ressentir vraiment ce que vous travaillez. Donc quadriceps et fessiers. Plutôt que de le faire trop vite et pas que ce soit efficace. Allez, 20 secondes. Allez, la team. Prends le temps. Encore 4 secondes. Ok, on relâche. On bouge un petit peu les jambes. Elles vont se gorger de sang, c'est normal. C'est que ça travaille. Maintenant, jambe gauche. Donc on se concentre bien. Prenez le temps. C'est parti. Si vous voulez faire comme moi, ne jamais poser la jambe, vous pouvez. Sinon, option facile, on pose à chaque fois,
on repart. Je pose, je repars. D'accord? Allez, on garde le buste droit. On descend bien avec la jambe arrière. Voilà. Attention à votre genou à chaque fois. Le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. Yes. Le buste droit. On contrôle. Il faut que ça brûle dans les cuisses. Allez le chercher. Ok, on relâche. Maintenant ici, on va enchaîner 3 squats sumo. Donc des squats très larges. On en fera 3. D'accord? Enchaînez après avec deux fentes arrière alternées. Droite, gauche. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça notre enchaînement, tout simple. 1, 2, 3. 1, 2. On garde le juste droit. Sur le squat sumo, on aura un accent sur les fessiers et les adducteurs. Allez, encore la team. 5 secondes. Ok, on relâche. Ça va? Premier tour effectué, il nous en reste encore 2. Donc on respire. Vous allez voir, ça va être efficace. Peut-être que vous allez avoir des courbatures demain. 2 squats, 2 jump squats. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2. Allez, la team. Allez, on pousse bien les fesses à l'arrière. On contracte fort les fessiers quand on remonte les hanches en haut. D'accord? Allez, la team. Allez, encore. Allez chercher l'intensité. Les fessiers, les cuisses. Ok, on relâche. Wouh! Deuxième partie, deuxième exercice. Jambe droite, fente arrière, plus fente avant. Que sur la jambe droite. Allez, team. Go! Voilà. Contrôlez bien. Allez, 30 secondes. Yes! On garde bien le buste droit. On contrôle. 20 secondes. Allez, encore. Yes! Option facile. Si ça devient trop dur, on viendra poser la jambe à chaque fois. On remonte. Et même chose arrière. D'accord? On pose, on remonte. Ça, ça sera pour l'option facile. Ok, stoppez. Maintenant, jambe gauche. Allez, restez avec moi, courage. On est là pour avoir des résultats et construire, bâtir un beau corps. Allez, attention, jambe gauche, c'est parti. Yes. Voilà, on contrôle. Allez, encore. Impeccable. Le buste bien droit. Allez, intime. Contractez fort les fessiers. Prenez le temps. Allez, on relâche pas. Yes. Ok, on lâche. Est-ce que ça commence à brûler? Ouais. C'est bon ça. 3 squats sumo plus 2 fentes arrière. Donc squat large. La pointe des pieds à 10h10. Et c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2. 1,
2, 3, 1, 2. Voilà. On pousse bien les genoux sur l'extérieur et on viendra vraiment s'asseoir en vide au niveau des squats. Allez, 15 secondes la team. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Contractez fort les fesses. Ok, on relâche. Encore un tour, c'est le dernier. Et après, on lâche les jambes pour ce soir. Courage la team, tenez bon. Deux squats classiques, deux jump squats. Ou juste des squats si c'est trop dur. Allez, go! Allez, Atil, ça s'enchaîne! Yes! Allez, on respire! Impeccable! Allez, tenez bon! 15 secondes. C'est presque fini. Allez, allez. Ok. Wouh. Ça brûle bien. C'est efficace. Jambes droites, enfante, arrière et avant. Allez, attention. Go. Voilà, on prend le temps. Yes, contrôlez les genoux. Gardez votre buste droit. On respire. Allez encore. On tient bon. 10 secondes. Encore. Et on relâche. Wouh. Allez, jambe gauche. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous faites. Connectez-vous avec vos cuisses. Je vais retrouver mes mots. Jambe gauche. C'est parti. Voilà. On va prendre le temps. Vraiment, de bien sortir ce qu'on fait. Allez, encore. Contrôlez vraiment le mouvement. Important, je vous répète, parce que vous êtes tout seul. On n'est pas là pour vous contrôler. Alors faites bien attention à votre posture, à vos genoux. Essayez de bien ressentir vos cuisses qui brûlent. Les fessiers aussi. Allez encore. Ok, on relâche. 3 squats sumo. 2 fentes arrière. Dernier exercice pour ce circuit la team. On y va fort. À fond. Go. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Voilà. Prenez le temps. Amplitude. On descend. Allez, encore. 20 secondes. Allez, team. Yes. Allez, on s'accroche. On veut des belles cuisses dessinées, des beaux fessiers. On sculpte tout ça. On relâche. Wouh! Un circuit de fait. On récupère rapidement, on s'hydrate, très important. Et on va passer maintenant aux abdos. Donc pareil, 12 minutes d'abdos nous attendent. Il faudra s'accrocher. Allez, team. Hydratez-vous. Récupère un peu.
Ok. Même chose, 45 secondes de travail, 15 secondes de repos, 3 tours du circuit. Allez, c'est parti la team. On va venir au sol. Ici, sur les fesses, on va faire du bicycle. Donc là, le but, ça sera de venir faire du coup de genou alterné. Option facile, on posera le pied à chaque fois. Allez, c'est parti. Droite, gauche. Le but, c'est vraiment avoir l'omoplate qui part en direction diagonale à chaque fois. Allez. On prend le temps, on ne force pas avec la tête. C'est uniquement les abdos qui vont venir travailler. Allez, à team. 15 secondes. Allez, encore. Yes, 5 secondes. N'oubliez pas l'option facile si c'est trop dur. Ok, on relâche. On va passer maintenant au gainage. Donc au sol directement, les coudes sous les épaules. Vous êtes prêts? 45 secondes. Donc quasiment deux fois de ce qu'on a fait tout à l'heure en échauffement. Allez, c'est parti. Ici, le gainage c'est top pour bien renforcer votre ceinture abdominale, contrer les problèmes de dos et être au confort tous les jours avec des abdos puissants, solides. Si c'est trop dur, on posera les genoux, d'accord, mais on n'abandonne pas, jamais. On reste jusqu'au bout. Allez, 15 secondes la team encore. On y va. On y croit. 10 secondes. Allez, on tient la team. Contractez fort. Les abdos. Les fessiers. Allez, 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 allez. Ok, on relâche. Ça va? On va passer maintenant au heel touch. Donc ici, encore sur le buste, on va d'abord décoller les omoplates et venir chercher la cheville droite, cheville gauche. Gardez au moins 40 cm entre vos talons et les fesses. C'est parti. Regardez bien le plafond pour protéger votre cou. Allez, on respire. Allez, la team. Là, vous allez le sentir. Au niveau des obliques, mais également le grand droit, donc les abdos ici, puisqu'on les a déjà pré-fatigués avant. Allez, la team. Il vous reste 15 secondes. Attrapez la cheville. Encore. Ok, on relâche. La suite. Ici. Vous allez faire, vous allez venir devant, croiser vos jambes, devant, au-dessus, en dessous, d'accord? On s'allonge, les mains sous les hanches, pour protéger votre dos, on pose la tête, et là on vient croiser, droite, gauche, la pointe des pieds sera bien devant, d'accord? Le but ici, c'est de bien engager les abdos, allez! On respire, on sent les abdos travailler sur cet exercice. Il vous reste 15 secondes encore. Allez, à team. Si c'est trop dur, option facile ici, jambes fléchies. C'est pareil, les abdos sont en tension. Ça marche aussi. Ok, on relâche. Ça va? On a effectué un tour, il nous en reste encore deux. On va reprendre sur du bicycle. Ici, allongé, avec coup de genou alterné. C'est parti. N'oubliez pas l'option facile de base. D'accord? Je reviens en position initiale. Coup de genou, je contracte ici, je pose. Je contracte, je pose. D'accord? Option un peu plus dure, intermédiaire. Ici, droite, gauche, droite, gauche. On va venir respirer à chaque fois. 15 secondes.
N'oubliez pas de ne pas forcer avec la nuque. Ça, je le vois trop souvent. Oubliez votre tête. C'est uniquement vos abdos qui travaillent. On est ici en tension. Droite, gauche. Droite, gauche. Ok, on relâche. Attention, quand je vous dis protégez-vous, c'est juste pour vos cervicales. Vous avez tendance souvent à forcer avec la tête quand vous fatiguez sur les abdos. Évitez de ce mouvement. C'est mieux de poser et de partir après sur la suite. Gainage. Les coudes bien sous les épaules. Les abdos très forts. Allez, on serre fort, fort, fort les hanches en rétroversion. Donc vers l'intérieur. Allez, à team. On respire. On allonge la nuque. Allez, accrochez-vous. Dès que c'est trop dur, on pose les genoux, mais on reste jusqu'au bout. On n'abandonne pas. Allez, à team. 5 secondes. Allez, 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 allez. Ok, on lâche. On repart sur les fesses. Heel touch. Donc, touchez cheville, droite, gauche, d'accord? Dans 3 secondes, on part. Go! Et on respire. Si vous avez les pieds vraiment collés aux fesses, ça ne marche pas. Hein. Faut aller à quelques centimètres des fesses. Voilà. Et là, vous allez devoir aller chercher un peu plus loin. Allez, encore. On continue. Ici, l'option facile, elle sera de venir toucher, poser. Je touche, je pose. Je touche, je pose. Ça sera l'option facile. N'hésitez pas à la prendre si ça devient trop dur. Ou si vous fatiguez sur l'option de base, on n'hésite pas. Ok, on relâche. Le ciseau avec les jambes en croisée devant. Allez, attention. On pose les mains sous les fesses pour éviter de creuser le dos. Et c'est parti. On vient croiser la pointe des pieds vers l'avant. Et on s'accroche. Allez, team. Allez, tenez bon. Vous êtes presque à la fin. Après, ça sera terminé. Terminé pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous reposer tranquillement. On fera bien sûr bien attention à ce qu'on va manger ce soir. Manger sainement pour avoir des beaux abdos. Ok, on relâche. Deuxième tour de fait. Il nous en reste encore un. Et après, c'est terminé. Donc, on va reprendre sur du bicycle. Ici. Encore au sol. Attention les amis. On y va. Go. Droite. Gauche. Voilà. Toujours l'option facile. On n'hésite pas. Ici, sur l'option facile, je n'ai pas dit. Mais on peut s'aider du coude en appui au sol pour venir faire le twist au niveau du buste. Allez, 20 secondes la team. Allez, 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 allez. On n'abandonne pas, on va jusqu'au bout. Il me reste encore 7 secondes. Allez, à fond. Ok, on relâche. Gainage. Les coudes sous les épaules. Là, je veux que vous mettiez une grosse, grosse, grosse tension sur vos abdos pour que ce soit bien efficace. Même si ça tremble, c'est que ça travaille. Allez, go. N'oubliez pas les hanches en rétroversion. Le regard au niveau du sol. Les hanches pas trop hautes, ni trop basses. Au niveau des épaules. Allez, 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 on tient. On résiste. On s'accroche. Il vous reste 20 secondes. Allez, team. On respire.
10 secondes. Allez, 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 jusqu'au bout. 5 secondes. Si c'est trop dur, on pose les genoux. Mais on va jusqu'au bout. Ok, on relâche. On repart sur les fesses. On va venir toucher cheville droite, cheville gauche. En alterné. Attention. C'est parti. Go. Allez, Ati. Vous avez toutes les options maintenant pour aller jusqu'au bout. On s'accroche. Allez, encore. Vous avez fait la moitié. Allez, allez. Même si ça brûle, allez plus loin. Ok, wouh, ça fait du bien, hein. Maintenant, on vient droit, croiser les jambes. Dernier exercice du circuit. On se prépare la team. Dernier effort pour aujourd'hui. On va jusqu'au bout. Ok, c'est parti. Voilà, contrôlez. On pose la tête pour relâcher les cervicales. Si c'est trop dur, vous pouvez lever un peu les jambes, pas trop haut, d'accord? Et si c'est trop dur, vous pouvez aussi croiser. Ici, en genoux, d'accord? Allez, Yatim! Vous avez fini presque! 15 secondes! Allez, 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 allez! On respire! Soufflez pour vous soulager! Wouh! Ok! Terminé pour aujourd'hui. Ça a été une bonne séance. On respire, on peut récupérer. Bon, ça va la team? Ça a été? Vous avez bien souffert? Aussi bien les cuisses que les abdos. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu ce que vous vouliez en termes de sensations musculaires, que ça a bien brûlé, que vous êtes fiers de vous parce que vous avez tenu la séance jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment bien. Donc dites-moi tout de suite l'exercice qui a été trop dur pour vous encore une fois. J'aime savoir si ça s'est bien passé pour vous à distance. Comme vous êtes, je ne suis pas avec vous, je ne peux pas savoir si ça a été ou pas. Yes, merci la team. Bon, tant mieux si ça vous a plu. C'est le principal. Sur ce, la team, ça passe vite. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. On n'oublie pas demain, 18h30. Le cardio boxing, donc ZR Fit, ça va envoyer du lourd comme d'habitude sur le cardio. Ça va être bien pendant 30 minutes. On va en baver aussi bien que vous que moi. Et voilà, donc on se dit à demain en pleine forme. Et je vous souhaite une excellente soirée la team. Et on se voit demain, 18h30, n'oubliez pas. Tchuss la team, bye bye.